Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France. Objectif, colonisation complète de l'Afrique, j'ai nommé Afrique Rose. Et nous sommes arrivés en 1895. Alors la dernière fois on avait pris le royaume de Mérina, on avait pris le royaume Zoulou, le Congo. On s'était retrouvé avec pas mal d'infamies. Donc là, on a pas mal de radicaux dus aux conquêtes. Auxquels va falloir faire attention. On a encore pas mal de travail. On a 41 ans pour y arriver. Ça va être compliqué. Mais on va pas abandonner comme ça. On va faire un petit tour du marché. Parce qu'on voit qu'on n'a plus de construction. On a du charbon qui a un petit peu faire, du charbon qui a un petit peu faire. Excusez-moi, je suis réveillé depuis pas très longtemps. Du charbon qui a un petit peu cher, du plomb qui est un petit peu plus qu'un petit peu cher, de la teinture et du soufre. Allez, on va faire ça. Donc on va commencer par le charbon. Les mines de charbon ici, ensuite on ira dans le Rhône. Même s'il y a moins de personnes, on aura un bonus de production. Le soufre. Hop, on aura 40. Du fer, on avait dit. Non, du plomb. Mais le plomb, je ne sais plus où est-ce que j'en produis ici. Ah, j'en produis pas. Ok. On va prendre du plomb à Tunis, c'est bien Tunis, il y a vraiment pas mal de ressources minières. Et j'ai oublié le dernier, de la teinture, oui, c'est ça. La teinture, il va encore falloir trouver un endroit pour la produire. Ah bah c'est parfait ici. Il y a Tanganyika. Voilà, on va pouvoir mettre une quarantaine de plantation. Au niveau du gouvernement, il est profondément légitime, ça c'est parfait. On atteint les 100 millions de population. Ah. C'est bien. On est troisième dans le Raj britannique, bon ça c'est normal. Et derrière, je veux dire, et bon, c'est derrière la Chine, forcément. Mais on met une sacrée piquette aux autres pays. Importation de munitions. Ah oui, d'accord, ok. On en exporte. À un moment j'ai pensé à l'inverse, mais non, c'est bon. Alors vous avez peut-être dû voir, mais j'ai subventionné certaines productions qui sont munitions, enfin tout ce qui est armes en général, tout ce qui est bien militaire. Également les explosifs, enfin certains trucs assez, assez stratégiques, même si ça me coûte on va dire en subvention, ça peut être assez important. Manufacture d'armes, voilà. Alors le plateforme pétrolière, ça c'était pour un test, on va peut-être l'arrêter un peu plus tard. Mais ça peut toujours servir. Oui d'ailleurs, quand je dis plateforme, voilà. On va bien sûr agrandir toutes les plateformes pétrolières. Au mieux. Sachant qu'elles sont subventionnées. Alors si je regarde au niveau des potentialités. On a ici, 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 ok. C'est bon, on a l'infrastructure nécessaire. Et ici, est-ce qu'on a l'infrastructure nécessaire aussi? Parfait. Je sais pas si j'en ai à d'autres endroits, mais alors, j'en vois pas. Je crains qu'il faille aller en chercher dans les états de trêve.
entre autres. Donc je vais aller conquérir les états très. Je sais qu'il y en a beaucoup. Dans Sindh également. Mais pas de masse. Ok. Hop. Alors, conquérir l'État, ça me coûtait 4 d'infamie. Ça va, c'est pas énorme. Ça, c'est vraiment pas énorme. Ça, c'est cool. Protectorat voilé, ouais, il faut que je soumette l'Égypte aussi. Ça me donne 3 ans pour le faire. Alors, au niveau de la diplomatie, je suis en trêve avec. Non, je suis pas en trêve, mais vu que je prends la protection. Oui, mais vu que je prends les états de trêve. Pardon, de trêve. Ça va pas être possible. J'aurai besoin de bureaucratie apparemment. Je vais en faire. Je vais en faire quelques administrations à Paris. Une dizaine, ça devrait être bon. Et je vais devoir soumettre l'Égypte. Ça a piqué au niveau en famille par contre. Oh là 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 là. Ok. On a les états de trêve, on va attendre que le pétrole se découvre tranquillement. 5 ports. Ouais. Expédition en Antarctique. J'ai pas assez d'amiraux. Hein. Alors, on va recruter déjà, oui, c'est vrai. En Occitanie, j'ai un amiral qui attend que ça. Escroc. Il est bien lui. Hop, Guy des Granges. Promouvoir. Je peux recruter un amiral. Autre part. Ouais, en Perse. Allez, parfait. Bandit, non, pas bandit, ça c'est quoi ça? Ok. Et ça nous coûte combien pour en faire? 73. Je vais être à 50, 60? 60? Oh purée. Et ça ferait 105, ça ferait 130 d'infamie. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Mais pas le choix. Pas le choix. Ça va nous donner énormément de malus, mais là, le protectorat voilé. L'Égypte est un sujet de la France, bon bah. Quand il faut, il faut. Moins 40, heureusement qu'on est à moins 40%. Oh là là. On se tape à moins 37 avec la Prusse. Oh. C'est dommage. On avait réussi à bien augmenter nos relations avec eux. Oh, hostile, ah ouais. Bon, là je vais me taper tous les embargos du monde, hein, vous allez voir. Ça va être. Ah, la Perse. Ah, tiens. J'ai oublié cela. Alors, on va envoyer toi ici. Ici. Daniel, on va t'envoyer là. On va envoyer un gars là-bas pour juste défendre le front perse si jamais il serait payé. L'Autriche nous a mis sous embargo, oui. Voilà. Nouvelle grenade dégrade nos relations, pays rival, oui. Le Darfour soutient l'Egypte, ah bon? T'es courageux toi. Ah, je pensais pas. Pour être honnête, je pensais pas. Ouais. En tous les cas, il est très inquiet.
amiral là, je vais escorter les convois quand même au cas où, on ne sait jamais. Je vais devoir faire pareil pour le QG d'une île. Sinon ils vont très très vite mourir de faim, de tout. C'est vraiment pas grand chose ici. Hein. D'ailleurs, Panama il est fait ou pas? Suez. Ouais, Suez est fait. On va le subventionner. Impeccable. Ouais, l'Égypte a renoncé. Ça fait une bonne partie de la couleur. La France a assuré son emprise sur l'Égypte. Cet état de fait est connu sous le nom de protectorat voilé, car, par un détail technique, l'Égypte reste légalement soumise au sultan ottoman qui observe impuissant la situation. Assurons le nouveau Khedive égyptien dans notre soutien. Oui, dans tous les cas, on perd 20 avec. Prestige m'en fiche, influence m'en fiche. C'est de dégrader les relations qui sont arrivées à terme. Et là, on va vouloir vraiment pas mal de déclins d'affaiblir. On va pas se mentir. Bon, ça sert à rien. Ça, on est arrivé comme il fallait. Ça, on est arrivé comme il fallait. On a 25% de déclin d'affaiblir. Ça, c'est bien. On n'est pas rien, par contre. Développement de l'usage du téléphone. D'ailleurs les téléphones je les avais fait où ici. Une grande partie se vend. Hein. Que des groupes de consommation. C'est fou. Hein. Alors, on va attendre d'avoir un peu de pétrole. En Tripoli. Ah. J'ai bien fait de prendre l'endroit. Peut-être un petit peu comment. Non, c'est bon, les infrastructures vont suivre. Oh la vache, on se fait 1,1 million. On a le canal de Suez. Toujours la Grande-Bretagne, eux ils sont bêtants. Ouais. Transport en commun, construire Panama, production de plastique. Ah ouais, il y avait ça. C'est urbain et. Déjà je peux faire ça, mais ça, pas de suite. Voilà, au niveau du centre urbain, ce serait bien de passer en galerie marchande. Ça me demanderait pas mal de verre et pas mal d'acier en plus. Mais ça passerait en vrai. Ça passerait même pas mal. Ça ferait beaucoup d'employés de bureau, pas mal de commerçants. Commerçants, ils sont quoi? Petite bourgeoisie. Élite intellectuelle. Et ouais. Plutôt que d'avoir des ouvriers qui sont syndicats de travailleurs. On va faire ça. On va peut-être me demander des biens. On n'est pas en pénurie de biens entrants. Déjà, c'est une bonne chose. Mais en acier et en. Je sais plus quoi. En verre. Ok, en acier c'est bien. Et en verre, on va devoir en faire un peu encore. En quoi faire du verre? On a découvert du pétrole en état de trêve, ça c'est parfait. Parfait. 74, 94. Ok, je peux faire 20 verreries facile. On a découvert 13 plateformes. Impeccable. Système de santé accru. Impeccable aussi. Hop,
va faire ça. Ça, on s'en fiche. Et pour le port, on va garder quand même. Voilà, on va avoir une bonne production de pétrole. On va commencer à avoir une bonne production de pétrole. Sachant que tout se vend très très bien. La route commerciale, on en exporte un paquet. Marché prussien, russe, autrichien, britannique. Ok. Allez, pour ce qui en consomme un paquet. L'Azerbaïdjan. Ok. Là, je vois qu'avec le pétrole que j'ai 4000. Je vais peut-être pouvoir commencer à produire du verre. Hein. On va faire autre chose. Profiter d'en avoir quand même. Je pourrais faire ça déjà. Ça me consommerait quand même. 100. C'est pas énorme. Allez, on va faire ça. On va interdire les duels. Clairement. Hop, comme ça. Le Yakouté. Ok. Ah, le Yakouté, ok. On pourrait en soi aussi avoir des téléphones pour augmenter la bureaucratie. Il m'en faut. Vache, il m'en faut 1000. Non. Ah ouais, 1000 téléphones. Waouh. Ça fait une sacrée conso. J'en ai 700. Ouais, il faudrait que je double à peu près la production. Je sais pas si j'ai assez en. Je suis en caoutchouc, ça passera. Toujours ça, ça c'est fou. Oh la teinture! Oh la teinture! Waouh! Okay, j'ai fait une consommation de taré d'un coup là. Delta du Niger. On va l'en faire ici. Hein. Hop là, on va faire 40 teintures supplémentaires parce que. De radicaux quoi. Heureusement j'ai quelques institutions qui font que ça me les baisse. D'ailleurs il y a des enfants toujours autorisés. Tant qu'ils râlent pas on va leur laisser ça comme ça. Je pourrais peut-être la faire passer en public. Avant que les industriels deviennent trop importants. Moins 20. Oh la vache. Ouais, ouais. Je vais essayer de la faire passer avant que les industriels deviennent trop importants là. On a une forte demande en acier. C'est parti. En Alsace-Lorraine, je crois qu'on avait. Ouais, mais on a dû faire. Autant produire autre part. Ouais. Là où il n'y a pas de ressources. Ok. Faire 3 aciéries. Va falloir faire du charbon, électricité et fer, va falloir là. Ouais, ouais. Charbon, on était complet ici. Donc là, on va aller là. Infrastructure, on va en faire un peu. Charbon. Électricité, ouais, même. On va faire plus 20. Comportementaliste, ok. Qu'est-ce qu'il faut ici? Et fer, on avait dit. On a ce qu'il faut en infrastructure. Est-ce que j'aurais pas besoin d'outils? Je vais quand même en consommer pas mal en plus. Hein. Oui, on va faire des outils. Hein. Oula, oui, clairement. On va faire 5 voies ferrées et 40 outils. Voilà.
Parti radical, c'est lequel? Oui, le parti radical, c'est bien. Ouais, toujours légitime. Pas avoir un petit sang? Ah bah si, on peut avoir un petit sang. Voilà. Oh, ça prendra quand ça prendra. Ah mince, l'assurance. Ouais, non. Le problème là, c'est que... Si je laisse pas le syndicat de travailleurs, je vais pas avoir le petit pourcentage de base. C'est dommage. Panama, je m'en fiche. Mécaniser l'agriculture, je m'en fiche. Ça peut être intéressant, mais tant que t'as les travailleurs, pourquoi se prendre le fou? Pétrole, ouais, ça. Dommage, c'était pas chez moi. Et là, par exemple, si je veux prendre le Dahomey, enfin, on s'entend trop bien avec, on s'entend trop bien avec. C'est pas vrai, je m'entends trop bien avec tout le monde là. Ils augmentent, ah, ils augmentent tous les relations, fait chier. En même temps, tu me diras, ils ont un peu que ça à faire. Bah, même pas. Ah, c'est parce que c'est trop tôt. Mais... Eux... Ah ouais, ils sont plus 50. Tant que je reste à 25% au niveau de la baisse du taux d'infamie, moi ça me va. On va pouvoir faire ça. Unité versus accessibilité. Oh, ça fait que les industriels ils vont être très en colère là si je fais ça. On va voir, c'est pour ça que je le fais tôt. Là je vais en avoir un paquet là qui vont se terminer là, tout ça. État de trêve. Ah oui, bah oui. Effectivement. J'ai oublié ce détail. Alors découvert en Valachie. Ouais, ok. On est toujours à 97%, c'est bien sûr. Alors là, ma question que je me pose, c'est est-ce que je fais du Portugal un pays fantoche? Non, c'est trop ça. Oui, c'est ça, ouais. Du caoutchouc, un Tanganyika, c'est bien. En Ouganda, c'est bien aussi. Là, je vais commencer à prendre le Mozambique, hein. Je vais pas avoir le choix, il va falloir que... Ouf. Moi, je prenne la Gambie là-bas. Ouais, je vais prendre la Gambie plutôt, ça fait un peu tâche là d'un coup. Mais... Si c'est pas mal, et quand tu me diras là aussi, ça fait un peu tâche, mais... Ah, mais c'est lui qui coûte le plus cher, ça me coûte 20. Il n'y avait pas un délire comme ça là, où genre là, ça me prenait moins, quoi. Ouais, si c'est ça. Ouais, clairement. 25,5. C'est vrai que c'est au niveau de la population. Ah la vache. Plus la population là-bas chez eux augmente, plus ça me coûte cher en infamie. Gambie. On va prendre la Gambie. Hein. Il faut. C'est moins RP, mais j'ai pas le choix là. Embêter la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, on lui a déjà pris un territoire. On lui a pris où? On lui fait quoi la Grande-Bretagne? Ah ouais, le Royaume Zoulou.
Ah non, je vous c'était c'était la Russie. C'était qui? C'était où? Ok, on a ça pour les productions de mines, ça c'est cool. Alors. Radio, non. Allez, on va faire ça. Interprétation du rêve. Psychiatrie, ok. De production aux universités, c'est bien. C'est bien. On a assurance maladie, ok, impeccable. Je voulais faire un truc avec le pétrole. Oui, les mines d'or. Un petit peu de monnayage, ça fait toujours plaisir. On est à combien? 700 000 presque de monnayage. C'est vraiment pas mal. On verra pour les autres mines, mais les autres mines ça coûtera un peu plus cher. Là, les mines d'or elles sont au niveau 20, 26. Ben, ça sera cher pour le reste. Hein. Ils abandonnent pas eux? Dès que j'ai mobilisé, c'est dit oh, ça va, ça va. Ouais, on a récupéré une usine d'art, trop bien. Niveau d'agitation, il est assez élevé. Hein. Heureusement que j'ai maintien de l'ordre public, qu'il va peut-être falloir augmenter. Hein. Faire intérieur. Ça radicalise tout normalement. Ça. Ok, les Anglais, est-ce que je peux vous récupérer quelque chose? Non. Portugal, je viens de le faire. Il n'y avait pas la Scandinavie? Ouais, la Scandinavie ici. Je suis en trêve, c'est ça, avec eux? Mais Maria, bon bah la Libéria, il va falloir que j'aille chercher, parce qu'en général quand ils font une révolution, ils en font 50. Je vais les annexer. Ouais, je vais les annexer à tous les petits pays là, je vais commencer à les annexer. Et on va faire passer, là je vois que je suis un petit peu en rade de bureaucratie. On va tout faire passer en standard à téléphone. Voilà. Ça va me coûter un peu plus cher, hein, clairement. Mais je suis en pénurie de biens entrants. Attends, je produis des téléphones là ici. Ok. Pénurie de téléphone apparemment. On va voir. En Mauritanie intérieure. Ça c'est bien ça. Ah, intérieur. Bah non. Ah si, c'est là. Ouah. Oulala, tu galères là.
d'information d'un petit peu. Stimule. Ça rien de stimuler la capacité des bâtiments des centres urbains, ça va augmenter le nombre de biens. Non, pas de biens, de. De services. Voilà, de services. Le service, j'en ai déjà beaucoup, donc autant augmenter la capacité de production des bâtiments de type verrerie à Syrie. En général, là, j'en ai besoin. Allez, on va prendre la Liberia, on va prendre le Sierra Leone, Futajalon, Karta, Futatoro, Sogou, Massina. On prend tout ça, là. Ah, Saint-Domingue. Mais là, il y a quoi ici? J'ai pas de... Dommage. Dommage, dommage. Et du sucre. Je suis comment, celui-là? Non. Porte de chasse à la baleine. Tant qu'à faire. Pour le Yo, pour le Dahomey, pour le Bénin. Eux, ils sont stables, donc j'ai pas trop besoin d'aller les chercher. Maroc, Algérie, en général, c'est assez stable. Donc je vais pas aller les embêter, moi. Enfin, pas de suite. Vraiment, quand il y aura pas le choix, quoi. Vas-y, Anne. C'est vrai que c'est le Transvaal aussi à aller chercher. Avec les mines d'or. 12 mines d'or là. Les 12 mines d'or feraient du bien. Je suis vraiment pareil. Ouais, ça baissera pas beaucoup à mon avis. Hein. Aura pas le temps de baisser. Ça va plus augmenter qu'autre chose. Allez, on va se laisser là pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, on conquiert tranquillement, vraiment tranquillement. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. C'était Thiob. Ciao.